également sans Christophe Farouca et Johan Pelé, tandis que Dijon devra faire sans Didier Hendon et Dina Ndombé. Du côté de l'OM, on apprend qu'il y a un nouvel entraîneur des gardiens qui est Juan Pascua. On apprend également que Álvaro González voudra prolonger son contrat. Il est lié à l'OM jusqu'en 2021 et 2023. Il voudrait prolonger jusqu'en 2025. Quant à Bernard Tapie et sa femme, ils ont été victimes d'un cambriolage et ont été agressés, suivez-moi sur ma chaîne YouTube.